En tant que directeur de l'enseignement et de la recherche, vous menez évidemment de nombreuses actions et vous êtes un fervent partisan de la dimension internationale de l'IX. Alors, pour avoir une recherche d'excellence, hein, on en parlait à l'instant, il faut attirer les meilleurs professeurs, mais aussi détecter les talents dans le monde pour qu'ils viennent se former à l'école polytechnique. Et vous avez plusieurs dispositifs qui œuvrent dans ce sens. Franck Paccard. Alors, un des objectifs, c'est d'attirer des talents au niveau des étudiants. Et donc là, on est aidé par la Fondation de l'École Polytechnique qui met on a mis en place tout un dispositif de bourses qui sont adaptées aux différentes formations que nous proposons aux étudiants. Et donc, en ce qui concerne la mobilité entrante, c'est-à-dire les étudiants qui viennent dans les formations de l'École Polytechnique, donc on a mis en place depuis déjà de nombreuses années un dispositif de bourse d'excellence internationale pour les étudiants qui entrent dans le cycle ingénieur. Et j'ai déjà parlé du PhD track. Et donc là, notre objectif, c'est d'attirer des étudiants dès le niveau master qui vont venir irriguer les laboratoires de l'école dans le cadre d'un doctorat. Dans le cadre de la mise en place du bachelor, donc qui est un programme post-bac, donc nous espérons attirer dans ce programme-là des étudiants qui sont vraiment exceptionnels, qui sont courtisés par de nombreuses universités. Et pour cela, on a besoin de mettre en place un programme de bourse qui permette d'être un petit peu compétitif. Voilà. Donc là, vous avez évoqué la mobilité entrante. En ce qui concerne la mobilité sortante, à savoir, c'est important que les élèves de l'IX aillent voir ailleurs de temps en temps, et vous les encouragez aussi. Alors effectivement, donc il y a tout un programme qui est mis en place, un programme de prêt à taux zéro qui permet d'aider les polytechniciens à partir dans des institutions à l'étranger en quatrième année du cycle polytechnicien. Et actuellement, il faut savoir que près de 50% des polytechniciens font leur quatrième année dans des universités très prestigieuses de par le monde. Et donc ce programme de prêt à taux zéro permet justement à nos élèves d'enrichir d'avoir une expérience à l'international qui les enrichit, et c'est très important pour nous.